matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre à Paris pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @BishopEli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est avec une grande joie que aujourd'hui, nous allons passer un moment pour écouter la parole de Dieu. Je pense que vous serez bénis. Soyez attentifs. Nous allons prier, tendre Père, puisses-tu nous parler aujourd'hui, ce matin, cet après-midi ou ce soir, dépendamment de chaque fuseau horaire. Nous laissons ce moment de partage entre tes mains, cher Saint-Esprit. Je prends autorité sur tout esprit d'empêchement des distractions. Et nous réclamons ta présence, Esprit de Dieu. Amen. Nous allons suivre une rubrique que j'appelle WhatsApp News. WhatsApp News, c'est, ou Réseau News, c'est une rubrique dans laquelle nous suivons quelques vidéos marrantes qui nous fait rire ou qui nous enseignent. Des vidéos intéressantes et surprenantes des réseaux. Dieu n'est pas contre la détente. Voilà pourquoi il y a cette partie que j'ai inclus dans ce moment de partage. Ne couche pas pour de l'argent. Parce que certaines femmes aujourd'hui, à moins de 30 ans, elles ont plus de 100 hommes à leur compte. J'ai dit plus de 100 hommes qu'elles ont connus. Et qui sont à leur compteur. Vous allez parfois voir votre vie ne marche pas. Rien ne va. Tu touches à quelque chose, ça se date. Tu entreprends, ça se date. Tu es même dans un couple, tu te comportes bien. Rien ne va. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a plusieurs énergies qui ont été déposées. Il y a plusieurs esprits qui sont en train de perturber ta vie. Arrêtez de coucher n'importe où, n'importe quand et pour de l'argent. Arrêtez ça, les filles. Vous détruisez votre vie. Tu vas t'en rendre compte que toi-même, tu n'arrives pas à expliquer ce qui se passe dans ta vie. Tu veux que les choses changent. Tu es même dans une détermination, mais rien ne va. Tellement. Nous allons écouter un chant à la gloire de Dieu. Vous savez, dans le ciel, c'est la louange. Le peuple de Dieu loue Dieu. Dans le ciel, nous allons faire que louer Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre à louer Dieu déjà ici sur la terre. Alors, soyez bénis et suivez ce rubrique intéressant. Un chant à la gloire de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Tout est vanité des vanités sous le soleil. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Avec mon
mon ami. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole. Maintenant, c'est le moment de recevoir la parole de vie. Nous allons prier, Saint-Esprit, puisses-tu nous parler. Saint-Esprit, puisses-tu nous édifier. Saint-Esprit, puisses-tu te révéler à chacun de nous. Dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Suivez. Bolingo, papa, takatum, takat, bolingo, nanga, inzambe, nanga, ye, bolingo, pambolanga, ye. Alors, je pense à l'histoire de Esaïe et de Isaac. Esaïe n'était pas aussi méchant, hein? Il avait faim. Il a été piégé par Jacob. Esaïe n'était pas méchant. Il a fait une bêtise, comme on dit, il était profane. Mais qui d'entre nous n'a jamais été profane? On critique beaucoup Esaïe. Mais dis-moi, qui d'entre nous n'a jamais été profane? Qui d'entre vous n'a jamais coupé un jeûne parce qu'il voulait manger un sandwich? Qui d'entre vous a fait un vœu de jeûne? Il jeûne, mais il a coupé un jeûne parce qu'il a vu un beau chocolat. Moi, je reconnais qu'il m'est déjà arrivé d'arrêter un jeûne parce que je vis un bon chocolat. Ah oui, ça m'est arrivé. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi, je vais prier, je vais recommencer demain. Ah ben, des fois, nous critiquons Esaïe, mais on n'est pas mieux. On commet tous des erreurs. Alors, Esaïe a commis une erreur fatale. Son frère Jacob l'a piégé. Ah, ton propre frère te piège. Vous n'avez jamais été piégé. Des fois, on voit toujours Esaïe comme le profane. Mais Jacob, c'est le voleur quand même. Hein? Il a volé son droit de naissance. Il a piégé son propre frère. Voilà pourquoi je vous dis dans la famille, hein?
Et aujourd'hui, on est plus en sécurité en famille qu'au dehors. Tu penses que tu es en sécurité dans ta famille, tu baisses la garde. Mais c'est dans la famille-là que tu rencontres la jalousie, la méchanceté. Mais à la différence, à l'extérieur, la jalousie des gens est manifeste, est externe, voyez. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'extérieur manifestent leur jalousie d'une manière libre. Alors que dans la famille, la jalousie est cachée parce que c'est à l'intérieur de la famille. La jalousie aussi est à l'intérieur du cœur. Il y en a qui sont jaloux de toi. Il y en a qui se comparent à toi, mais c'est gênant. Ils veulent pas que maman sache. Ils veulent pas que tonton sache. Ils veulent pas que tati sache. Ils veulent pas que les autres voient. Par pudeur et par honte, ils les cachent. Méfiez-vous des gens qui sont proches de vous, parce que leurs trahisons sont des trahisons mortelles. C'est des gens qui sont proches de nous qui nous font des trahisons mortelles. N'oubliez pas, Judas était quelqu'un qui mangeait avec Jésus, qui était proche de Jésus. Ne baissez jamais la garde. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire ni à ta famille, il ne faut pas dire. Il faut garder pour toi. Aujourd'hui, même le mariage, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On dit amour, amour, mais dans beaucoup de mariages, il n'y a pas d'amour. Tu es marié avec une femme, mais des fois la femme ne t'aime même pas. Tu voyez, tu es marié avec un homme, des fois l'homme ne t'aime pas, mais il ne va jamais l'avouer. Vous avez déjà vu une femme mariée dire à son mari, je ne t'aime pas. Il y a des femmes qui ne t'aiment pas. Il y a des hommes qui ne t'aiment pas. Comme je dis toujours, il faut te fier à ce que tu ressens. Quand tu ressens quelque chose, parce que Dieu nous parle par le cœur, il y a des choses que vous ressentez. Vous ressentez que cet homme-là est dangereux. Prenez vos précautions. Vous ressentez que cette personne-là est dangereuse, n'est pas personne de confiance. Prenez vos dispositions. Vous devez prendre vos dispositions. Il y a des choses que vous ressentez qui ne viennent pas de la chair. Je dis pas que tout ce que vous ressentez vient de Dieu. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez examiner et discerner tout ce que vous ressentez. Parce que dans le psaume, on dit que le cœur de l'homme est la boîte à lettres de l'Éternel. Le cœur de l'homme. Dans le psaume, on dit que le cœur de l'homme, mon cœur dit de ta part, cherche l'Éternel. David dit, mon cœur. Mais dis de ta part, cherche l'Éternel. Donc le cœur peut parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent, mais Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Mais très souvent, Dieu nous parle par notre cœur, par une petite voix intérieure qui te dit, fais attention, fais attention, fais attention. Mais des fois, on est tellement borné, on dit, ah mais lui ne me fera jamais ça. Mais la voix de Dieu dit, fais attention à ce monsieur-là. Fais attention, ce n'est pas clair. Mais toi, tu dis, mais non, lui ne me fera jamais ça. Mais lui, il paraît sérieux. Des fois, on s'appuie trop sur ce qu'on voit que sur ce que Dieu nous dit. On s'appuie trop sur ce qu'on sent que sur ce que Dieu nous dit. Il faut écouter ton cœur. Lorsque Samuel a béni Saül, il a dit à Saül, lorsque ces signes se seraient accomplis, tu seras transformé en un autre homme et fais ce que tu as dans le cœur. Le vouloir et le faire nous vient de l'Éternel. C'est écrit dans Romains. Le vouloir et le faire nous vient de l'Éternel. Des fois, quand Dieu veut que tu le serves, il met en toi le désir de le servir, le vouloir de le servir. Et ce genre de vouloir n'est pas basé sur la recherche de la popularité ou la recherche de l'argent. Ce genre de vouloir, ce sont des vouloirs qui ont une motivation pure. Vous voyez, vous avez une motivation pure d'aider quelqu'un. Vous avez une motivation pure de donner une offrande à un homme de Dieu. Vous avez une motivation pure d'aider votre frère. Mais n'écoute pas ce que les gens vont te dire. Ah, ne fais pas ça. Vous avez une motivation pure de donner un gros don à un homme de Dieu ou à une église. N'écoute pas ce que les gens vont te dire. Faites ce que Dieu met dans votre cœur. Le vouloir et le faire nous vient de Dieu. Donc Dieu nous parle par le vouloir et le faire. Mais ce qui est dramatique, c'est que Ésaü a été trahi par son propre frère. Hey, Jésus a été trahi par Judas. Caïn, Abel a été trahi et tué par son propre frère de sang. Même papier d'héritage. Hey, je connais une famille, je ne dirais pas plus, parce que c'est des gens qui sont très proches de moi. C'est comme ma famille, voilà. Je peux dire que c'est ma famille par alliance.
Le père a beaucoup de biens. Le père meurt. Il laisse le papier d'héritage à la fille aînée. Et la fille aînée ne veut pas lire les testaments. Il dit, ah non, comme maman est vivante, je ne lis pas les testaments. Mais c'est écrit où? Papa a laissé un testament. Maman vivant ou pas vivant, papa a laissé un testament. Ah non, comme mon père est vivant, comme maman est vivant, on ne lit pas les testaments. C'est quelle doctrine? Voyez, la famille est terrible, terrible, terrible. Même les pasteurs, ne faites pas confiance absolue à quelqu'un parce qu'il est pasteur. Je t'avertis, ne sois pas naïf. Vous savez ce qui est arrivé avec l'histoire de Mukuna. Une histoire de Mukuna, une histoire vraie. Un monsieur a des biens, a des terres. Il est gravement malade. Il sait qu'il va partir. Vous savez, en Afrique, les gens ont l'habitude, quand quelqu'un meurt, le frère, la famille du monsieur vient récupérer les biens. Des fois, les enfants ne reçoivent rien. Parce qu'en Afrique, c'est pas clair sur la succession. Ici, en France, c'est très clair. Mais en Afrique, c'est pas clair et parfois, c'est pas respecté. Alors, le monsieur, il voulait pas que sa femme reste démunie, qu'on lui arrache tous les biens. Il a pris un papier d'intérêt, il l'a donné à son pasteur. Je ne dirai pas le nom. Il a dit, pasteur, prends les papiers d'héritage. Papa, je suis ancien dans ton église. Quand je mourrai, je ne veux pas que ma famille prenne ces papiers-là, parce qu'ils arrachent les biens. Je ne veux pas que ma femme soit démunie. La seule personne à qui j'ai confiance, c'est toi. Il n'a pas même donné les papiers à sa femme. Il a donné à son pasteur. Le pasteur a pris le papier, il a gardé. Le monsieur, il est mort. La veuve, même pas un an de deuil, vient voir le pasteur. Pasteur, donne-moi les papiers. Mon mari m'a dit qu'il t'avait confié les papiers de mon terrain. Donne-moi les papiers. Ah, je suis fatigué, reviens demain. Demain, il revient. Pasteur, donne-moi les papiers. Mon mari m'a dit, ah, je suis fatigué, viens demain. Pasteur, donne-moi mes papiers. Je suis démuni. Ah, rendez-vous au restaurant. On va manger et demain. Oh. Donne à la personne ce que tu lui dois. Tu commences à donner des rendez-vous au restaurant. Toi, un pasteur. Ah, les pasteurs aujourd'hui, vraiment. Surtout, bon, moi, je parle des pasteurs congolais parce que c'est ce que je connais, quoi. Peut-être que d'autres pasteurs aussi sont pareils, hein. Mais moi, je parle de ce que je connais, voyez. Je n'ai rien contre les Congolais, je suis Congolais. Mais Bino Bapa, ça Congolais, Boza Mabé, Boza Kiyanke, Bo découragé, bah, tu n'as pas église, hein. Bah, Congolais, bah, zonga, la bongo catholique, pour Nabino. Mite Mamabé, Bandoki. Vous êtes pire que des sorciers parce que vous connaissez la parole, mais vous avez un cœur méchant. Voyez, même un sorcier là qui fait la sorcellerie, des fois il connaît pas la parole, hein. Voyez, parce qu'il est possédé par un esprit de méchanceté. C'est pour cela qu'il fait la méchanceté. Mais toi, un pasteur qui connaît la parole, qui prêche la parole, tu as des comportements comme ça. Ah non, 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 non. Bino, bo benga bino pasteur. Oh, t'as l'imbissa. Moi, quelqu'un qui agit comme ça, je ne vais pas dans son église, je lui fais pas confiance. Un traître reste traître, même s'il t'a pas trahi. Mais quelqu'un qui trahit quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il a un cœur de traître, voyez. Même si le loup mange la brebis du voisin, ça veut dire qu'un jour, il mangera ta brebis parce qu'il a un cœur de loup. Eh, c'est comme ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui trahit quelqu'un d'autre, même s'il est ton ami, et sache qu'il est aussi dangereux pour toi, parce qu'il a un cœur de traître. Quelqu'un qui parle du mal des autres, ça veut dire qu'un jour, quand tu donneras ton dos, il parlera aussi mal de toi. Prends tes dispositions. Prends tes dispositions. Ne te laisse pas surprendre. Le pasteur dit à la dame, reviens demain. Ah, reviens demain. Ah, rendez-vous comme ça, rendez-vous. La dame n'en peut plus. A dit, ah, mais je cherche ce que tu me dois. Le pasteur, ah, j'ai garé le papier d'héritage. Le pasteur va faire comprendre à la dame, pour que je te donne le papier d'héritage que ton mari m'a laissé, il faut que je couche avec toi. Ah, aïe, 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 aïe. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Moi, ça passe pas. Cette histoire-là, ça ne passe pas. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Hein.
Je ne juge personne. Mais moi, ça, là, cet homme-là, ah non, pardonnez-moi, que Dieu me pardonne si je juge. Mais moi, ça passe pas. Même si on dit, Jésus a dit pardonner, hein, mais ça, c'est trop. Ah non, Jésus a dit, ne mangez pas avec quelqu'un qui s'est dit pasteur, qui s'est dit prophète, qui s'est dit chrétien, qui serait un voleur, un accapareur, un ivrogne, un mangeur. C'est écrit dans la Bible, mes amis. Vous, les chrétiens, vous allez tolérer les bêtises jusqu'où? Dans le milieu évangélique, l'apôtre Paul dit, on entend parler parmi vous d'une impudicité telle que on ne le voit même pas chez des païens. Ah! Ah non, 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 non. Vous, allez-y, allez-y. Hein? Et parfois, je vois même sur Internet des gens qui défendent ça. Ah mais non, tout le monde est pécheur. Des gens qui défendent de tels comportements. Si vous voyez quelqu'un défendre ça, c'est que lui-même, il est dangereux. Vraiment! Il y a même des païens qui font pas ça. Il y a même des païens qui font pas ça. Je vous dis, il y a même des païens qui font jamais ça. Il y a même des païens qui se comportent pas. Toi, un pasteur. C'est un sorcier. C'est un sorcier, je vous dis. Vous voulez encore quoi? Vous voulez le voir avec les ailes en train de voler? Pourquoi c'est un sorcier? C'est un sorcier. Une veuve, il dit, il faut qu'on couche ensemble. Le monsieur, il est marié. Il y a des milliers de femmes célibataires sur la terre. Mais tu veux seulement coucher avec la veuve de ton ancien. Engaillé. Ah, 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 ah. Mais vous savez, encore ce qui me choque vraiment, c'est de voir l'église d'une telle personne remplie. Vraiment. 90% des chrétiens évangéliques sont des idiots. Je vous l'ai dit, hein, au Congo, 90% des chrétiens évangéliques sont des abrutis, des idiots. Comment tu peux aller dans l'église d'un meurtrier? Tu sais que ce pasteur-là est un bandit, est un meurtrier, et tu vas là-bas prier. Et puis tu lui laisses t'imposer les mains. Mais non, vous manquez d'intelligence. Mais tu vas dans l'église de ce monsieur-là, c'est plein à craquer. La dame dit, ah, mais ce monsieur, je lui demande ce qu'il me doit, mais il ne veut pas. Alors la dame prend une caméra cachée. Elle a dit, on va le faire, mais je veux me venger. Il va voir le pasteur dans la voiture. Le pasteur dans la voiture. Ouvre son pantalon. Il dit, maman, prends bonbon. Prends ton bonbon. Je parle en parabole pour les enfants. Je parle en parabole pour les enfants. Et la femme filme tout. Elle filme tout. Et elle envoie ça dans les réseaux. Et le pasteur va dire, ah, c'est un tricage. Aujourd'hui, quand on attrape quelqu'un en vidéo, on dit, c'est un tricage, c'est un montage. N'importe quoi, ce n'est pas un montage. Nous avons le Saint-Esprit. C'est la vérité, monsieur. Si tu m'écoutes, tu dois te repentir. Tu es un bandit. Tu es pire que Caïn. Parce que Caïn n'avait pas le Saint-Esprit. Caïn n'avait pas le sang de Jésus. Mais toi, tu connais la parole de Dieu. Tu es pire qu'un païen. Alléluia. Voyez, c'est le problème aujourd'hui dans le milieu évangélique. On tolère n'importe quoi. On appelle n'importe qui. Pasteur. Quelqu'un comme ça doit être chassé. La Bible dit, ne mangez pas avec une telle personne. Donc, mais Esaü, lui, c'était pas la méchanceté quand même, entre nous. Esaïe n'était pas méchant. Il avait une faiblesse. Vous voyez, moi je fais la différence entre la méchanceté. Vous savez, il y a deux types de péchés que moi je distingue. Il y a péché par faiblesse et péché par méchanceté. Vous voyez la différence? J'aimerais vous expliquer. Là, c'est ma manière de voir les choses. Quelqu'un peut pécher sans être méchant. Si moi je veux tuer quelqu'un, c'est la méchanceté. C'est pas une faiblesse. Et si je veux prendre la femme de mon prochain, hein, je sais que c'est cela, c'est la femme de monsieur Viator, c'est la femme de mon fils Jérôme. Vous vous imaginez, moi, un bishop comme ça, hein? Je bénis Jérôme avec sa femme, ou je bénis, je donne un exemple, quoi, Viator avec sa femme, je l'ai béni. Et derrière son dos, je vais draguer sa femme. Mais non,
pardonnez-moi, non, non, vos pasteurs là, c'est votre problème, et moi, je vais pas les voir. Ah non, moi, un gars qui agit comme ça, je vous dis la vérité, moi, un gars, un homme ou un chrétien qui agit comme ça, écoutez, si Dieu t'a pardonné, c'est ton problème, et moi, je veux plus te voir. Je t'en veux pas du tout, hein. Je t'en veux pas, mais je veux pas avoir affaire à toi. Je me mets loin de toi. La vie est trop belle. La vie est trop courte pour gaspiller mon temps avec des vipères. Non! C'est comme Ève. Regardez Ève. Dieu vous donne le jardin. Il y a des paons, il y a des oiseaux, il y a des perroquets, il y a des gazelles, il y a toute espèce d'animal. Mais toi, Ève, tu trouves rien d'autre à faire qu'aller près d'un serpent, un vilain gars comme un serpent, hein, un animal aussi vilain. C'est là où tu vas passer ton temps. Tu vois pas que tu as un problème. Tu vois pas que tu as un problème, hein, vous les femmes là, vous avez un problème dans la tête. Hein. Regardez, attends, il y a des éléphants, il y a des girafes. À l'époque, ils étaient pas méchants. Il y avait des chiens, il y avait des singes. Il y avait des milous, il y avait des caniches, il y avait des chats, il y avait toute espèce d'animal. Mais Ève n'a trouvé rien de bon qu'à donner du temps à un serpent. Vous voyez pas qu'elle a un problème. Et c'est pas ce que vous avez. Il y a tellement de gens à fréquenter, mais toi tu vas seulement fréquenter des mauvaises personnes. Il y a tellement des endroits propres et bien. Mais toi, tu vas toujours dans des endroits vilains, hein, là où les gens sont malpropres, impudiques, discothèques, dans les bars. Tu as des fréquentations bizarres. Et après, quand tu vas rencontrer des gens bizarres, tu vas te plaindre de la bizarroïdité. De la bizarrerie. C'est terrible, hein. Tu vas fréquenter... Attends. Va dans le jardin manger des cacahuètes. Va au bord de la rivière chanter des cantiques, louer Dieu. Mais non, va à l'église même dormir. Non, tu vas fréquenter des gens louches. Un traître est traître. C'est comme un lion. Quand tu élèves un lion, il faut que tu puisses être gentil avec lui. Écoutez-moi bien, Kadiou. Quand tu élèves un lion, il est lion de nature. Il est carnivore de nature. Sache que tu peux être gentil avec, mais il faut pas qu'il meure de faim. T'as compris? Ah. Quand tu élèves un lion, comme les Arabes là, à Dubaï, ils élèvent des lions. Ils ont l'argent. Mais quand tu élèves un lion, hein, dis-toi, tu peux le caresser comme tu veux, tu peux être gentil comme tu veux, mais dis-toi que il faut pas qu'il meure de faim. Le jour où il meurt de faim, c'est toi qui deviens la viande. C'est comme ça aussi un traître. Un traître est avec toi, tu peux être gentil avec lui. Même si là, pour toi, tu dis, mais non, c'est mon ami, il trahit les autres. Mais non, quand quelqu'un est traître de nature, tant qu'il il a son intérêt avec toi, il sera bien avec toi. Le jour où il a le moyen, le jour où sa survie dépend de toi, il n'hésitera pas à te trahir. Et demain, ne pleure pas. Ah, les gens sont méchants. Ah, les hommes sont traîtres. Ah, les femmes. C'est toi qui fréquentes les hommes traîtres. C'est toi qui aimes la compagnie. Voilà pourquoi on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà pourquoi David a dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent. Il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter, mes amis. La vie est trop belle. Je préfère la solitude. Je préfère la solitude. Voyez-moi là. J'ai pas d'amis, hein. Je vous dis devant Dieu, j'ai pas d'amis. Ça fait 2 semaines que je suis à Paris. 2 semaines, je ne suis pas sorti. Je vous dis, ça fait 2 semaines. Je vous parle devant Dieu. Ça fait 2 semaines que je suis à Paris. La seule sortie que j'ai fait, je suis allé au centre commercial. J'ai mangé seul. Je n'ai pas l'argent à donner aux lions et aux guépards, aux crocodiles. Je suis allé au centre commercial Noisy-le-Grand. J'ai mangé seul mon petit café. Et puis après, j'étais allé au centre commercial Destin, vers le studio de télé Anti. Et là, j'ai mangé aussi. Et j'ai donné à manger j'ai acheté un repas pour un indigent.
voyez, un arabe qui n'avait pas de quoi manger, qui pleurait, un homme, je lui ai acheté à manger. Je ne vais pas acheter à manger à une femme sorcière, hein, qui va venir devant moi avec ses maquillages et tous ces peintures-là, hein, essayer de me séduire. Au cas où j'ai une faiblesse, je tombe là-dedans, elle va commencer à pleurer dans les réseaux. Mais j'appelle, il m'a touché, mais j'appelle, il m'a fait ça, et non, je me tiens loin de ces gens. Je me tiens à distance. Je connais la vie. Ma vie est précieuse. Je ne vais pas gaspiller mon temps. C'est vous qui fréquentez les serpents, les vous perdez votre temps. Vous savez, il y a des gens. Quand tu es en faiblesse, ils te soutiennent. Voyez. Il y a des gens, quand tu es en faiblesse, ils te soutiennent. Mais il y a des gens, quand tu es en faiblesse, il en profite. Il en profite pour te donner un coup mortel. Et des gens comme ça, quelqu'un qui est de nature traître, ne le fréquentez pas. Je dis pas qu'il faut le détester. Hein. Et même s'il se répand, même César a dit, tu as trahi, tu trahiras. Une femme, c'est comme toi, tu sors avec une femme qui trompe son mari. Et tu penses que quand toi tu vas la marier, elle te trompera pas. Hein? Tu sors avec un homme qui trompe sa femme. Ah, ma femme, vous savez encore les hommes. Ah, ma femme est comme ça. Mais le jour où tu vas la marier, elle va te faire pareil. Tu sors avec une femme qui ne craint pas Dieu. Voilà. Tu vois une femme, hein, ou un pasteur. Il est pasteur. Il craint pas Dieu. Il sort avec toi. Il se moque de Dieu. Mais la personne, ça se voit qu'il ne craint pas Dieu. Tu vas te marier avec une telle personne. Il ne craint pas Dieu, il te fera la même chose. Donc, Esaïe, il n'était pas méchant, Esaïe. Entre eux, il n'était pas méchant. Il avait seulement une faiblesse. Il a dit, il avait faim. C'est Jacob qui était méchant. C'est Jacob qui était le méchant. Entre Esaïe et Jacob, c'est Jacob qui était le méchant. Mais c'est Jacob qui a profité de la faiblesse de l'autre. Il a volé le droit d'aînesse. Esaïe a commencé à pleurer, papa. Il n'y a pas une autre bénédiction pour moi, papa. Il n'y a plus rien, papa. Papa, il n'y a plus. Isaac a dit, ah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je n'avais qu'une seule bénédiction, c'est parti. L'autre, il est très bas. Il est très bas. Et Jacob l'a béni. Et bien Jacob l'a plutôt maudit. Tu seras soumis à ce que je dis à ton frère. C'est ce que tu appelles bénédiction. Ah non, moi je préfère même que Isaac garde ça pour toi. Isaac va bénir. Esaïe a tellement insisté. Alors Isaac va bénir Esaïe. Et il dit sa bénédiction. Tu seras assujetti à ton frère. Je suis désolé. La vie est comme ça, bien aimé. Donc, il y a des péchés que moi je classe à trois catégories. Péché par manque de connaissance. Il y a des gens qui vous font du mal. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils vous font du mal. Par exemple, aux Antilles, en Guadeloupe ou en Martinique, les gens parlent trop. Il y a des gens qui, aux Antilles, les gens rapportent, font que, tu me diras partout dans le monde, mais dans les îles, c'est fort. Dans les îles, je dis bien. J'étais à l'île de la Réunion, c'est pareil. J'étais à l'île de la Réunion, c'est pas, les gens parlent trop dans les îles, parce qu'ils s'ennuient. Le pays est trop pétu. Quand ils ont quelque chose à se mettre sous la dent, ça parle partout. Ça se répète. Oui. Oui. Donc, c'est pas qu'ils sont méchants. C'est une habitude qu'ils ont. C'est une habitude. Il y a des hommes qui sont vicieux, par exemple. Un homme qui est vicieux, il sort avec beaucoup de femmes. C'est plus fort que lui. Donc, c'est pas de la méchanceté, c'est le vice. C'est la faiblesse de la chair. Ce n'est pas de la méchanceté. Oui. Mais il y a des péchés qui sont dus par faiblesse. Il y a des péchés qui sont dus par ignorance. Il parle. Il n'est même pas conscient du mal qu'il fait à l'autre. Il n'est même pas conscient qu'il détruit la réputation de quelqu'un, qu'il détruit la vie de quelqu'un. Mais par contre, il y a des péchés que j'appelle péchés par méchanceté. Hein? Et je suis là. Je vois mon frère réussir. Et je m'arrange pour lui monter un coup. Voyez. Hein? Et je m'arrange pour lui monter un coup. Et je m'arrange pour voler son entreprise. Hein. Je suis là, je fréquente mon frère, il a une belle femme.
voyez, je convoite sa femme et je m'arrange pour sortir avec sa femme. Ça, c'est de la méchanceté. Et la Bible dit que la prière du méchant est en horreur à l'Éternel. Malheureusement, dans nos églises, nous avons des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui n'ont pas changé de cœur. Moi, je vous l'ai dit, hein, vous voulez prospérer, vous voulez être riche, vous voulez être guéri, vous voulez être délivré, vous voulez toutes les bénédictions du ciel, mais vous ne voulez pas changer de cœur. Mais la Bible dit que Dieu n'aime pas la méchanceté. La Bible dit que la prière du méchant est en horreur. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas exaucés. Parce qu'ils sont méchants. Il faut dire, Seigneur, enlève toute méchanceté dans mon cœur. Moi, je le dis. Je regarde mon cœur, je ne vois pas de méchanceté. Moi, je vous dis, quand je me regarde devant le miroir qui est la parole de Dieu, je ne vois pas la méchanceté en moi. Je n'ai jamais trahi toute ma vie. Je n'ai jamais trahi un pasteur ni un ministère. Je n'ai jamais bâti sur le fondement d'un autre. Je n'ai jamais trahi un serment. Toute ma vie. Je n'ai jamais fait du mal consciemment contre quelqu'un. Si je me suis dit, des fois je me défends. Là où il y a qu'à chercher, tuez-moi. Si bon Dieu bat mon moyen de me défendre, je me défends. Hein? Si quelqu'un vient avec un fusil pour me tirer une balle, il sort les revolvers. Si je suis le plus rapide, je tire le premier. On appelle ça la légitime défense. C'est pas de la méchanceté. Ça s'appelle la légitime défense. Ah ah! C'est de ça qu'il s'agit. Mais la méchanceté pour se venger, pour se faire plaisir à voir l'autre souffrir, en pas connaître. Voilà pourquoi quand vous venez à l'évangile, vous devez dire à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, change mon cœur. Amen. Seigneur, change mon cœur. Ça ne sert à rien de prêcher, de prêcher, de prêcher. Le plus beau trésor d'un homme, c'est son cœur. Avoir un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Et parfois même, quand vous sentez la haine dans votre cœur, vous n'arrivez pas à pardonner. Parce que je vous dis, il y a des gens qui ont l'art de blesser, hein. Il y a des gens qui savent blesser les autres. Si quelqu'un vous fait du mal, vous blesse, dites Seigneur, s'il te plaît, change mon cœur. Aide-moi à le pardonner. Aide-moi à l'aimer. Alléluia. Bolingo, bolingo, tatat, tatat, tatat. Bolingo, nangai, bolingo, bolingo, papap, papap. Bolingo, nangai, pambolangaye, bolingo, papap. Papa pum papa bolingo nanga ekoti kanga iboyete Yahweh Yahweh bolingo bolingo papa 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 bolingo nanga yokanga imawa bolingo papa papa pum papa bolingo nanga ipambolanga ye bolingo papa papa pum papa bolingo nanga ibarasila boyete nzambe Kombo na yo e sambwa na famite bolingo bolingo papa pumba papumba pap boli haya la makama ya la mama. La plus grande richesse que un homme puisse avoir, c'est l'amour. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Amen. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Jésus, apprends-moi à aimer, apprends-moi à pardonner, apprends-moi à tout supporter. Koriabakaba shindarababa, koriandarababa yekatakaba, sakarabana yondoru kandarababa, yakarabana yendiri baba yondoru kondo, sakarabana yikababa yutukoba yanda. Voilà un peu l'histoire d'Ésaü, comment Ésaü a recherché la bénédiction avec larmes. Vous savez, un jour, j'ai lu ce verset, je méditais et j'ai compris la souffrance d'Ésaü. Quand ton propre frère t'est trahi comme ça, ah, ton propre frère, c'est ce qui se passe dans nos églises. Les pasteurs
avant de donner à quelqu'un des responsabilités, un pasteur. Vous savez, aujourd'hui, nous ordonnons les pasteurs par complaisance. Voyez, les problèmes que l'Église évangélique a, nous ordonnons des pasteurs par complaisance. Tu nommes quelqu'un pasteur. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est pasteur? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a un cœur bon? Ne mettez pas des loups compas. Quelqu'un qui n'a pas un cœur bon ne peut pas être pasteur. Quelqu'un qui a un cœur méchant, d'abord, toi tu le nommes pasteur, il va te trahir. Voilà pourquoi dans les églises, il y a beaucoup de divisions. Dans les églises, il n'y a que des divisions. Des divisions comme des païens. Comment, hein? Tu mets quelqu'un pasteur, il te trahit, et puis il va prêcher encore l'évangile. Mais quel évangile il va prêcher? Et en fin de compte, comme ils sont traîtres, ils transmettent aux fidèles l'esprit des traîtrises. Et même leurs fidèles sont aussi traîtres. Même leurs fidèles sont aussi traîtres. Et voilà pourquoi Jésus a dit, nous devons être prudents comme des serpents. Et on doit être prudents et simples comme des colombes. Soyez simples. Ne cherchez pas à montrer aux gens votre richesse. Ne cherchez pas à montrer aux gens que vous êtes bénis. Soyez simples parce que le monde est à trop de méchants. Les gens sont trop envieux et méchants. Quel jour tu vas comprendre ça? Tu fermes pas ta bouche. Tu parles de tes projets. Tu parles de ton compte en banque. Tu parles de ton salaire. C'est-à-dire que tout le monde sait que tu gagnes 1500 euros, 2000 euros. Tout le monde sait que tu vas hériter de 50 000 euros. Tout le monde sait que tu es en train de construire. Mais, tu n'es pas intelligent. D'abord, tu informes les sorciers de tes projets. D'abord, tu informes les sorciers de tes projets. Parce que quand tu as des projets, tu les gardes au fond de toi. Satan ne peut pas les savoir. Est-ce que tu sais ça? Quand tu as des projets, tu les gardes dans ton cœur. Quand tu es chrétien et que tu as des projets, tu les gardes dans ton cœur. Satan ne saura pas. Vous voyez, je vais vous donner un verset. Esdras ou Néhémie. Il voulait rebâtir la ville, Jérusalem. On dit, il n'a rien dit à personne. Voilà. Je n'ai rien dit. Il y a Esdras. Je crois que c'est Néhémie, quoi. Néhémie ou Esdras. Je ne me rappelle pas du passage. Je vais chercher ça. Néhémie, chapitre 2, verset 16. Néhémie, chapitre 2, voilà. Or, les chefs ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais. Jusque-là, je n'avais rien communiqué aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres qui s'occupaient de l'ouvrage. Ah! Voyez. Néhémie, chapitre 2, verset 16. Les chefs de la ville ne savent pas où je suis allé, ni ce que je fais. Jusque-là, je n'ai rien raconté aux Juifs, le peuple de Dieu, hein? Pas même aux prêtres sacrificateurs, ni aux notables, aux chefs, ni à d'autres personnes qui s'occupaient des travaux. Voyez, Noémie était un homme discret, mes amis. La discrétion dans la vie, c'est très importante. La discrétion, tu parles trop. Vous voyez pas que quand vous parlez trop de votre projet, le projet se complique. Quand vous parlez trop, je vais construire. Je suis en train de construire. Et tu compliques tes projets. Parce que quand les gens savent ton projet, ils vont essayer de te contrer. Ils vont essayer de te contrer et de détruire ton projet. Voyez. Donc, il y a certaines difficultés, oppositions que nous-mêmes nous créons. Parce que nous manquons de discrétion. Soyez discret dans la vie. Soyez discret.
Soyez discret. Vous êtes en train de construire. Personne ne le sait. Il y a des choses même qu'il ne faut pas dire à ta femme. Il y a des choses même qu'il ne faut pas dire même à ton mari. Ah oui. Il y a des choses. Moi, je connais une fille en Martinique. Son mari la maltraite. Son mari la méprise. Son mari. Oh, la fille m'a raconté ce que son mari lui faisait. Quelle méchanceté. Et son mari avait une maîtresse. Et son mari préparait le divorce. Il était question de divorcer. Parce qu'elle était maladive. Et le père de la fille lui a donné les papiers de son héritage. Le père lui a dit que je veux partir, tu es ma fille. Je te laisserai ça, 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 ça. La fille stupide, elle est allée rencontrer toi, son mari. Ah, mon père va me laisser ça, va me laisser ça. Bien-aimé, le mari est devenu amoureux par miracle, par magie. Le mari est devenu amoureux par magie. Le mari a annulé le projet de divorce. Le mari est devenu doux. Le mari, elle me dit, Bishop Eli, depuis que mon mari sait que je vais hériter d'une telle somme, le divorce a été annulé. Il s'inquiète pour moi quand j'ai la fièvre. Doudou, 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 ne meurs pas. Elle m'a dit, j'ai compris son jeu. C'est un hypocrite, c'est un serpent. Il attend simplement que j'hérite pour m'achever ou pour aller avec l'argent de sa maîtresse. Pas question. Soyez discret dans la vie, même dans la famille. Hé, tu as vu? Caïn a tué Abel. Hein? Même dans la famille. Le problème de Joseph, c'était ça. Hein? On ne vous l'a pas dit, mais moi je vous le dis. Le problème de Joseph, c'était ça. Il n'était pas discret. Ah, j'ai eu un songe. Ah, j'ai eu un songe. Ah, Dieu m'a dit. C'est comme les chrétiens évangéliques aujourd'hui. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu. Mais pourquoi tu rencontres ta vision à tout le monde? Dieu t'a dit. Il t'a dit. Mais est-ce qu'il t'a dit de dire? Est-ce que Dieu t'a dit de dire? Est-ce que Dieu t'a dit de raconter ce qu'il t'a dit aux gens? Ah, Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a dit. Mais Dieu t'a dit de rencontrer. Dieu, quand Dieu te parle, il faut faire la différence entre ce que Dieu t'a dit pour toi et ce que Dieu te donne pour les autres. Ce que Dieu m'a dit pour moi, je le garde. Pour moi, c'est entre moi et mon Dieu. C'est mon intimité, mes secrets entre moi et mon Dieu. D'ailleurs, Jésus appelle la prière la chambre secrète. Entrez dans ta chambre secrète. Dans la chambre secrète, on garde les secrets. Dans la chambre secrète, on garde nos affaires en secret. Mais toi, tout ce que Dieu t'a dit, tu vas les rencontrer aux voisins, même au pasteur. Hey, ah, pasteur, Dieu m'a dit qu'il me donnera tant, tant. Mais le pasteur peut te tuer aussi. Hein. Tu n'as pas vu l'autre pasteur là qui est devenu dangereux. Je parle des faux serviteurs. Hein. Il y a des vrais hommes de Dieu quand même. Hein, oui. Il y a des vrais hommes de Dieu quand même. C'est pour cela que vous devez parler dans n'importe quelle église. Ce n'est pas n'importe qui peut être ton pasteur. Écoutez bien. Un chrétien sans pasteur, ce n'est pas biblique. Un chrétien qui n'a pas de pasteur local, ce n'est pas biblique. Un pasteur qui n'a pas d'apôtre, ce n'est pas biblique. Un apôtre qui n'a pas un collège apostolique, ce n'est pas biblique. Tous les chrétiens ont leur pasteur. On lit la Bible. Tous les pasteurs avaient leur apôtre. Tite avait comme pasteur Paul. Ils étaient soumis à une... Tout le monde doit être soumis à une autorité. Voilà pourquoi vos églises, aujourd'hui évangéliques, sont des sectes. Vos églises évangéliques, aujourd'hui, la plupart sont des sectes parce que le pasteur n'est soumis à aucune autorité. Il fait tout ce qu'il veut et comme il veut. Il choisit des anciens, des gens sans intelligence, des bénis, oui, oui, oui. Des gens qui acceptent tout ce qu'il fait. Des gens qui acceptent tous ses caprices. Ils les prennent comme anciens. Donc il est comme un dictateur, un petit dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est ce qu'on appelle une secte, un gourou, un homme de Dieu. Un chrétien doit avoir un pasteur. Un pasteur doit avoir son apôtre. À qui il rend compte. Et un apôtre, il n'est pas non plus un dieu. Il doit appartenir à un collège apostolique. Par exemple, moi, mon collège apostolique, c'est Richard for Christ. Ils sont en Australie, c'est trop loin. Je m'étais
Je vais poser ma candidature pour la FAPEF, Fédération des Églises de plein évangile de France. Mais ils m'ont dit, comme tu es en Guadeloupe, tu es trop éloigné, cherche une fédération là-bas. Enfin, je suis resté attaché à Reach Out for Christ. Je n'ai pas besoin d'eux, hein, spirituellement. Ils ne m'aident pas financièrement. Mais c'est un principe biblique. On doit tous être soumis à une autorité. Alors, ce que vous appelez d'église là, ce sont des sectes. Quand un pasteur est comme un gourou, il fait ce qu'il veut, il commande comme... C'est pas normal. Alors, Joseph a commencé à raconter sa vie à tout le monde. Il a créé la jalousie. Il a créé la jalousie et il a compliqué sa vie lui-même. Parfois, c'est pas le diable. Parfois, c'est nous-mêmes qui compliquons la jalousie. Pourquoi tu parles de ton argent? Pire encore, il y a des femmes encore qui sont tellement stupides, ils vont rencontrer ce qu'ils font au lit avec leur mari, à leur copine. Ah, avec mon mari, c'était comme ça, avec mon mari. Oh, mon Dieu! Tu n'as aucune causerie à dire que des choses intimes comme ça, hein? Pire encore, il y a certaines filles qui vont rencontrer à leur mère. Mon mari, c'est comme ça, mais Yosa Zoba Zoba, tu es une stupide, tu es une idiote. Tu es une stupide de la dernière catégorie. Même la pudeur. Il faut que tu... Est-ce que c'est biblique de décrire à ta maman la nudité de ton mari? Hein? C'est écrit dans la Bible là-bas. Est-ce que c'est normal que tu décrises mon mari? Alors, mon mari, c'est comme ça, ça se passe. Est-ce que c'est biblique? Il y a des choses qu'on ne dit pas ni au papa, ni à la maman. Quand tu as de tels problèmes, tu vas voir le pasteur qui va t'orienter vers une sœur, une diaconesse. Une diaconesse, c'est plus respectueux de parler à une femme de Dieu ou à un homme de Dieu parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à la maman ni au papa. Mais toi, tu es tellement borné, bête, tu dis n'importe quoi. Alors, tu veux après que ton mari soit à l'aise dans ta famille. Que ton mari... Là, il y a des hommes qui disent, Bishop Eli, je ne veux plus de ma belle famille. Elle dit, pourquoi? Je ne veux plus. Pourquoi tu ne vas pas? Je ne les en veux pas, mais je ne suis pas à l'aise. Parce qu'ils connaissent toutes mes affaires. Je sais qu'ils connaissent toutes mes affaires. Donc, je ne suis plus à l'aise devant eux. Parce qu'ils connaissent même comment je mange, comment mon ventre est, et comment on fait au lit. Ils connaissent tout. Alors, je ne les en veux pas, mais je ne suis plus à l'aise. Biloba loba, bien, biloba loba petit. Hein? Tu parles trop. Hein? Il faut mettre un masque sur ta bouche. Hein? Tu veux qu'on te mette une muselière pour que tu arrêtes. Hein? Ramaya baba baka baba basa baba. Soyez discret. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tes projets qui est dans ton cœur, Satan ne les sait pas. Donc Satan est là, il ne sait pas comment t'attaquer. Mais quand tu commences à parler, des fois la personne à qui tu te confies, c'est un sorcier. Ou bien il a des démons en lui qui écoutent ce que tu dis et ils envoient le projet dans le monde des ténèbres. Après tu vas te rendre compte que ah, tu voulais voyager, ton passeport a disparu. Mais hein, passeport est Kei Wapi. Où est parti mon passeport? Qui a volé mon passeport? Oh, un passeport est Bungi. Hein? Mais parce que tu as dit que tu allais voyager, ils ont volé ton passeport. Si tu ne leur dis pas, ils vont voler ta chaussure peut-être, mais tu voyageras. Si tu ne dis rien, ils vont voler ton pain, tu mourras de faim, mais ton passeport est là, tu vas voyager. Donc, soyez discret. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, Timothée, combat les bons combats de la foi. Il y a des bons combats, voyez, des combats nécessaires. Voilà, on doit être trahi dans ce monde. Il y a des trahisons qui sont inévitables. Il y a des scandales qui sont inévitables. Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Voyez, il y a des choses qui sont inévitables. Il y a des adversités que Dieu crée. Ce genre d'adversité que Dieu crée pour former notre foi, comme David, il s'est affronté à Goliath. Quand ce sont des combats où on s'en sort victorieux et renforcé. Il y a des épreuves que Dieu nous propose. Les épreuves de Dieu renforcent notre foi, brisent notre orgueil, nous façonnent, c'est pour notre bien. Mais il y a des faux combats que nous-mêmes nous créons. Faux combats, tu parles trop, tu te crées des problèmes. Faux combats, toi-même tu t'embrouilles toi-même. Tu rentres dans des affaires d'autrui, tu t'embrouilles toi-même. Voyez, tu crées la jalousie autour de toi. Faux combats,
kaka yomoko. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur, maman. Dieu pourvoira. Dieu prendra soin de nous. Dieu a déjà prévu la solution. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu prend soin de toi, maman. Essuie tes larmes. Et combattons dans la prière. Combattons. Quand tu pleures, il pleut dans mon cœur. Jésus-Christ s'est dit, qui de vous, par ses soucis, il peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Fais confiance à Dieu, il pourvoira. Fais confiance à la parole de Dieu, car il dit, jamais il t'abandonnera. Jamais il ne te délaissera. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. De rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Oh mes amis, s'inquiéter ne change rien. Crois simplement que Dieu va honorer sa parole. Tika pour la maman, tapuna bisou koya, zambé à pouvoir kabi sauter. Est-ce que ce mona soit Waki Maki Bongo Poli nous aucun zaké zambé à propos de la biso. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je réclame l'onction du Saint-Esprit sur vous. Je réclame la présence du Saint-Esprit sur vous. Saint-Esprit, merci d'agir dans la vie de mon frère et de ma sœur. Sois guéri, sois délivré, sois béni. Que Dieu le Père résoudre ton problème. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le miracle dans ta vie. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.